Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur les autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Skull and Bones. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer comment trouver le feu de joie pirate sur l'avant-poste La Croix du Navigateur. Alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, vous avez la possibilité de trouver des feux de joie sur tous les avant-postes du jeu. Et là, je vais vous montrer comment récupérer celle-ci. Donc, La Croix du Navigateur se trouve tout en haut à gauche de l'île de départ. Vous commencez ici, voilà, et vous allez tout en haut à gauche. Donc là, vous arrivez sur l'île. Vous passez ici des escaliers. Vous allez à droite. Bon, n'hésitez pas à récupérer. Il y a pas mal de petites affaires à récupérer. Là, vous voyez, hein, de la poudre. Là, on va passer par là. Je vais récupérer là. Là, je vois qu'il n'y a pas des trucs à récupérer tant que je suis là. Non, il n'y a rien. Et voici le feu de joie de pirate. Voilà, lancer de la poudre, il va devenir vert, et voyez, j'ai même un succès. Exploration, allumer un feu de joie dans trois avant-postes différents. Voilà, et j'ai réussi. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et à cocher la cloche. Merci à vous, allez, bonne journée à tous, et bonne game. Ciao, ciao.